Et salut tout le monde, c'est Trivano. On se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine qui est la confrontation au mont Roche Noire. Aujourd'hui, du coup, Nefarian contre Ragnaros. Un bras de fer pour savoir qui pourra diriger la montagne Roche Noire. Donc, les deux boss les plus célèbres de ce lieu. Donc, comme on peut l'imaginer, on jouera soit Nefarian, soit Ragnaros. Donc c'est un remix un peu du premier bras de fer qui est sorti dans Hearthstone, donc qui est exactement le même. Nefarian contre Ragnaros, il y a juste quelques petits changements qui ont été apportés pour équilibrer le bras de fer, parce que avant Nefarian gagnait quasiment à tous les coups vu qu'il commençait avec 10 de mana. Du coup, il avançait trop vite par rapport à Ragnaros. Et là, ils ont nerf Nefarian et ils ne le font commencer qu'à 4 de mana. C'est parti, du coup, on va voir ce que ça va donner. Tout à la recherche d'un adversaire, hein, comme d'habitude. Alors, bon, un petit peu loin, recherche d'adversaire. Et voilà. Adversaire convenable. Merci. Et on joue du coup Ragnaros, notre ami donc noir qui joue Nefarian. Donc les cartes qu'on a, on a beaucoup de cartes qu'on ne connaît pas, enfin qui sortent justement de l'aventure du mont Roche Noir, donc qui sont des cartes vraiment très fortes. Hein. Par exemple la une carte 6-3 pour 3 mana qui inflige 6 points de dégâts, c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Donc là, on va rien garder à part le Fils de la Flamme, hein, parce que c'est une carte à 3, c'est vraiment très fort. Là, comme vous voyez, je joue Ragnaros, et du coup, j'ai mon arme légendaire, Sulfuras, marteau de Ragnaros, du coup, qui a un râle d'agonie, et que quand j'ai utilisé toutes les charges, mon pouvoir héroïque se change. Pour l'instant, il invoque un enragé du magma 5-1 et il se changera en ping qui infligera 8 points de dégâts à l'adversaire aléatoire. Hein. Donc, comme ce que la carte Ragnaros fait dans le jeu normal. Hop. Donc, là, comme vous voyez, Nefarian qui a 4 de mana dès le premier tour, on a tous les deux 60 points de vie. Lui s'est manifesté avec 30 points d'armure, 30 points de vie et moi directement 60 points de vie du coup. Du coup, là, il joue Arcanotron, donc un mecha qui donne plus 2 aux dégâts des sorts. Je vais pouvoir le gérer facilement avec mon arme, du coup. Et je vais pouvoir poser la 4-5 Furie des Vents. Je vais favoriser la 4-5 par rapport à la 6-6 stun, parce que là, il n'y a pas de créature sur le board. Donc, une 6-6 n'apporterait rien de bien utile. Alors que là, Furie des Vents m'apporte 8 points de dégâts contre 6. Le seul moyen que je sois derrière en jouant cette carte, c'est s'il me joue une carte qui a plus de 4 points de vie, du coup, enfin, qui est plus que 5-4, du coup, que je pourrais pas tuer avec ma créature. Mais bon, je prends le risque, je pense pas que j'ai quelque chose comme ça dans la main. Enfin, comme j'en parlais, enfin, c'est une 4-6, du coup, elle a que 4 d'attaque, du coup, je pourrais la gérer. Ça, c'est un petit peu plus embêtant qu'ils mettent ma carte à 1 point d'attaque. Bon, c'est une immunité d'utiliser. Et un moindre mal. Du coup, je vais pouvoir clean tout son board grâce à ma 6-3 qui fait 6 points de dégâts. Avec mon arme, je tape dans un dragonnet. Et avec ma carte, du coup, ma 4-5 qui est devenue 1-5, je tape deux fois dans le dragonnet. À la furie des vents et du coup un point d'attaque fois 2 ça fait 2 et on peut tuer le dragonnet avec donc là mon but ça va être d'épuiser le plus rapidement possible Sulfuras pour avoir mon pouvoir héroïque le plus rapidement possible et lui faire du coup des quantités de dégâts assez folles. Maintenant on va parler de son pouvoir héroïque, du coup magie sauvage qui place un sort aléatoire de n'importe quelle classe dans sa main et ce sort coûte 0, donc ça peut être un sort de guerrier, un sort de prêtre, de chaman, enfin vous m'avez compris. Et donc là c'est particulièrement RNG son pouvoir, encore plus que le mien qui a des dégâts à un adversaire aléatoire. Et ce qui peut renverser des games, enfin aussi bien renverser une game que tuer une game. Hop, donc là il a joué une 6-6 et je viens de piocher mon fils de la flamme qui a du coup 6 points de dégâts
à ce que je veux. Du coup, je vais claquer là pour enlever toutes les miennes. Et je vais aller dans la tête. On va poser un diablotin des flammes pour augmenter le board qu'on a. Et taper avec Sulfuras. Hein, donc, comme à chaque tour, on tape avec Sulfuras. Du coup, prochain tour. Pour l'instant, on n'a rien de bien folichon à jouer. Une 6 stone et une 4-5 furie des vents à jouer. Et c'est pas si mal, mais bon, j'aurais préféré avoir un tour 5 peut-être, ou un tour 3 à jouer avec le tour 2. Je vais peut-être, après, je vais pas m'exposer non plus. Je vais peut-être pas mettre mes deux créatures le prochain tour, parce que là, si avec son pouvoir héroïque il chope une baston, comment ça s'appelle? Le flame stick. Le choc de flamme du mage, enfin les comme ça qui tuerait tout mon bord instantanément, ou le tir meurtrier comme il vient de faire là. Du coup, vraiment rentable de tirer avec explosif, pardon, il n'y a pas de tir meurtrier qui a clean 3 de mes créatures. Donc là, le lanceur de sort draconien. Du coup, là, j'ai pioché le cœur de flamme, ce qui est vraiment bien parce que du coup, ça me fait une carte à 3. Et comme j'ai 5 de mana, je pourrais jouer le cœur des flammes en plus de jouer une de mes créatures à 2. Hop, je gagne 4 points d'armure. Du coup, avec mon arme, je tape avec dans un dragonnet. Taper avant de faire de l'armure, j'aurais pu taper après, ça change pas grand chose vu que dans ce deck, Ragnaros n'a pas de carte qui une symbiose avec l'armure. Donc la 4-6, on la trade avec la 6-3. Et on pose la lave vivante. Une 6-6 provocation. Il a qu'une 2-2 pour me la gérer. Donc je peux espérer qu'il ne la gère pas. J'espère également qu'il n'a pas de sort qui fasse point de dégâts sur ma créature. Ça serait assez embêtant sinon. Évidemment, il utilise son pouvoir héroïque et il chope l'explosion de lave, hein, parce qu'on est assez vernis. Parce qu'il l'avait pas avant, hein, comme vous avez vu, c'était la carte de droite qui l'a prise. Bien dommage. Bon, c'est le jeu, hein. C'est Hearthstone. La cuisine de l'aile noire. Donc là, il la pose. Elle a gagné plus 1. Du coup, il me dit qu'il a un dragon dans la main. Peut-être avec du crépuscule, je sais pas. Je sais pas. Quel dragon il a dans son deck? On va le voir bientôt, je pense. Mais sa technicienne du coup est facilement gérable avec explosion de lave. Du coup, que je vais faire? On va taper avec Sulfuras histoire de débloquer notre nouveau pouvoir héroïque. Et là, j'hésite entre si je lui fais 8 points de dégâts avec mon pouvoir héroïque ou si je pose du board. Je vais quand même favoriser le board, parce que là c'est pas une course aux dégâts. Je vais plutôt essayer de conserver mon board et de le dépasser comme ça. Là j'ai de quoi lui gérer énormément de choses. Donc le Baron Guédon, s'il me pose beaucoup de dragonnets, les petites 2-2 qu'on a vues, la bombe vivante qui fait une AOE à 5, c'est vraiment puissant. Et Lucifron aussi qui lance corruption sur tous les autres serviteurs, hein, même les miens. Et corruption du coup qui a un sort qui détruit le serviteur corrompu au début de mon tour. Et du coup, qui fait un clean de board total. Alors, que va-t-il nous jouer? Bon, donc là, il vient de voir un piège. Hein, on l'a vu, c'était encore la carte de droite. Du coup, là, je sais pas ce que c'est comme piège. Lui, il a invoqué Magmatron. Et à chaque fois qu'un joueur joue une carte, ça inflige 2 points de dégâts. Bon, c'est assez embêtant. On va essayer de le. On va essayer de le tuer avec notre pouvoir héroïque. Si ça fail, on n'a pas de chance. Et non, ça fail pas. On a de la chance sur le coup, on va pas s'en plaindre. Mais tout à l'heure, on n'en a pas eu. Hein. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit dans le milieu. Et on tape face avec les cendres tourbillonnantes. Du coup, il a un pouvoir chasseur. J'ai tapé dans sa tête et le comment ça s'appelle? Le piège ne s'est pas activé, du coup, ça veut dire que le piège, c'est soit un snipe, donc un tir de précision qui inflige 4 points de dégâts à la première créature que je pose,
Toi, un piège à serpent qui inflige 3 serpents quand j'attaque une de ces créatures. Toi, ça doit être tout en fait. Non, soit rien d'autre parce que pas y avoir d'autres pièges. Je pense du coup que c'est un snipe. Enfin, un tir de précision. Ouais, vu qu'on a éliminé le piège givrant, le piège explosif et tout le tralala. Du coup, là, il nous pose Chromaggus. C'est très embêtant. On va essayer de le tuer avec notre pouvoir héroïque encore. Allez, deux fois de la chance, s'il vous plaît. Et on a de la chance. Une effigie. Le secret mage qui était effigie et qui donne une créature à 8. Et cette créature qui est Grull. Ce qui n'est pas spécialement plaisant, je dois vous l'avouer. Sachant que j'ai rien pour le gérer pour le moment. Je vais poser les gardes. Poser du board. Donc voilà, le piège du chasseur qui s'active. Je peux tirer du précision du coup qui a fait gars, mon gars. Grâce à ça, ça a invoqué une 2-3 provocation. Hop. On va taper face avec les cendres tourbillonnantes parce qu'on n'a pas de raison de taper Grull. On va pas suicider notre cendre parce qu'on n'aurait rien eu pour la tuer après. Enfin, pour tuer Grull après, du coup. Du coup, il sera 9-9 le prochain tour. Un tourbillon, je sais pas trop pourquoi, vu que ça invoque des élémentaires de roche à chaque fois. Peut-être qu'il a une exécution. Ça me paraît assez invraisemblable quand même. Inflige un point de dégâts à tous les seuls serviteurs au début de votre tour, très bien. Donc là, je le domine en board, mais je vais peut-être être obligé de jouer Coren Lavrebière plus la baston qu'il va me donner. Coren Lavrebière, du coup, qui est un ivrogne, un tronc comme on dit, et qui gagne toujours à la baston. Baston qui est la carte guerrier qui détruit toutes les créatures sur le board, sauf une. Ok, du coup là c'est. J'aurais pu l'utiliser vu qu'il vient d'ombre flamme son Grull. Du coup le board est maintenant even. Ben, il est maintenant à égalité si on peut dire, vu qu'il a une 3-3 et que j'ai une 2-3 taunt. La 3-3 que je vais directement gérer avec la carte que je viens de piocher. Chanceux sur le coup là, ça fait 2-3 tours que je suis chanceux sur le pouvoir héroïque et la pioche. Du coup. Là, on va taper face avec la 2-3 plus pouvoir héroïque et on va passer. Donc là, on gère le board. On a autant de cartes que lui dans la main et en plus, on en a 2 sur le terrain. Plus de PV que lui, il en a uniquement 20. Du coup, là, on est vraiment bien parti pour une victoire. Là, il fait un dragon consort. Donc, s'il a pas de dragon, c'est pas spécialement embêtant. 5-5, que ça gère assez facilement en plus. Que va-t-il nous jouer maintenant, notre ami Efarian? Enfin, ami, ennemi plutôt dans le jeu. Cœur de démon, très bien pour gérer mon élémentaire de feu. Et Atramedes. Une 2-8 qui gagne 2 attaques à chaque fois que je joue une carte. Très bien. Du coup, là, je pense qu'on va utiliser la baston. Du coup, on tape avec la 2-3 d'abord face parce que la 2-3 va mourir vu que c'est obligatoirement Coren Lavrebière qui va gagner la baston. Du coup, on joue Coren et avec ceci, nous jouons la baston. Et du coup, selon toute logique, c'est Coren Lavrebière qui devrait en sortir vainqueur. Hop, voilà, on récupère la carte et il nous reste une. 4-8. Donc là, il lui reste 3 cartes dans la main, j'ai 4 cartes dans la main, et en plus, j'ai une créature sur le board. Donc, je ne vois pas trop comment je pourrais perdre la partie. Après, il peut très bien prendre un sort qui retourne la game. On est à l'abri de rien. On va essayer de gagner. En plus, on a environ 40 points de vie de plus que lui. Alors, que va-t-il nous jouer? Très bien, un autre dragon qu'on sort. Et avec ceci, ce sera tout. Très bien. Du coup, là, on va jouer notre pouvoir héroïque en premier. J'aimerais qu'il touche le dragon. C'est pas le cas.
Vampire, hein, c'est pas spécialement grave. C'est pas spécialement grave. Du coup, là, je vais jouer le Baron Guedon et je vais aller face avec Coren. On va aller dans la tête, il va lui rester 4 HP. Du coup, il a le choix entre soit tuer le Baron Guedon avec sa 5-3, il reste Coren qui le tue, vu qu'il lui reste 4 HP, soit tuer Coren, il reste le Baron Guedon qui le tue. Ou soit il pioche un sort et il peut trade mes deux créatures. Mais bon, cela m'embêterait assez quand même. Donc, secret de chasseur. C'est un piège givrant, il n'a pas encore perdu. Et uniquement si c'est un piège givrant, sinon il a perdu. Alors, on le voit toucher la carte de droite, évidemment, toujours la carte. D'accord, donc rend main noire, donc une carte qu'il y a dans le jeu normal, hein. Détruit un serviteur légendaire s'il a un dragon dans la main. Bien, donc là il a tué mon Baron Guédon, vu que mon Baron Guédon évidemment était une carte légendaire. Il a utilisé une conviction qui est l'attaque, la défense de tous mes serviteurs. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait, vu que normalement il pouvait trade mon Coren d'Abreuvoir. Je crois que lui non plus a pas compris ce qu'il a fait, vu qu'il vient de perdre la partie sur ce qu'il vient de jouer. Donc voilà, une victoire. Hein. Bon, c'est pas spécialement facile, mais bon, on a bien géré, on a eu les bonnes cartes, on a eu un peu de chance en plus aujourd'hui, donc on est assez content et c'est comme ça qu'on a gagné le bras de fer. Donc voilà, c'était Trimano pour le bras de fer de la semaine, comme d'habitude, sur Ivasun Studio et suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Steam et bien plus encore, vous aurez tous les liens dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer. Thank you.